Bien. Bonjour à toutes et à tous. Le thème de ce cours, donc, c'est la compétition comme nouvelle forme de guerre économique. La compétition, ça se comprend comme étant à la fois de la compétition et de la coopération. Alors, pour prendre un exemple simple, vous imaginez quand vous voulez acheter un téléphone portable, en gros que vous avez le choix entre le Galaxy de Samsung et l'iPhone d'Apple. Et vous vous dites, les deux sont des ennemis et ils s'affrontent et bien entendu, ils n'échangent rien, ils ne coopèrent pas. En fait, pas du tout. Puisque pour avoir l'iPhone, il faut un processeur, et le processeur est fourni par Samsung. Et l'écran tactile également est fourni par Samsung. Donc on a ici deux concurrents qui coopèrent de façon très active. Les premiers grands succès de la compétition, bah, c'est Airbus Industrie, qui est une alliance entre aérospatiale, DASA, CASA, en compétition sur les moyens courriers, mais par contre en coopération forte sur le long courrier, en l'occurrence pour fabriquer le premier A300, qui sera un concurrent des longs courriers de Boeing. Je vais d'abord essayer de vous montrer que la compétition, c'est un nouveau modèle économique. Ensuite, je vais essayer de vous montrer que la compétition, c'est une stratégie performante. Et enfin, que la compétition est une stratégie risquée et donc il faut gérer de façon spécifique. C'est un dirigeant qui s'appelle Ray Norda dans le domaine des nouvelles technologies dans les années 90 qui a eu l'idée de ce mot compétition. C'était le PDG d'une entreprise qui s'appelait Novell et qui, pour la première fois, dit des phrases du genre You have to compete and cooperate at the same time, c'est-à-dire vous devez, j'ai besoin de mes concurrents, j'ai besoin de concurrents puissants parce que j'ai besoin de coopérer avec eux. Pour créer plus de valeur pour le client. Donc cette idée un peu révolutionnaire qui est partie d'un dirigeant, elle a donné naissance à une nouvelle théorie économique, une nouvelle théorie stratégique, qui a été formulée par deux auteurs qui sont Nalbeuf et Brandenberger, des noms un peu difficiles à prononcer, mais qui sont devenus célèbres à cause du best-seller qu'ils ont écrit ensemble, qui s'appelle donc la coopétition à partir de la théorie des jeux. Ils ont formalisé un cas d'analyse qui va devenir assez populaire, qui s'appelle donc le réseau de valeur en 1996. Donc ces deux auteurs que sont Brandenberger et Nalbeuf vont proposer un nouveau cas d'analyse, une nouvelle théorie qui se veut un dépassement du modèle des cinq forces de Michael Porter. L'idée, c'est que parmi vos concurrents, vous allez avoir deux types d'acteurs. Vous allez avoir d'un côté les complémentaires, de l'autre côté les substituts. Ce qui est nouveau dans l'approche de Brandenberger et Nalbeuf, c'est de dire que parmi vos concurrents, certains vont complémenter votre offre, vont permettre d'avoir une offre de meilleure valeur par rapport au client. Quand vous êtes Apple et que vous prenez des écrans Samsung, votre offre sera meilleure pour le client parce qu'il y aura un meilleur écran. Quand vous prenez des processeurs Samsung, votre offre sera meilleure parce que vous aurez des meilleurs processeurs. Donc vous créez une valeur supplémentaire pour le client. Donc il ne faut pas prendre Samsung comme un pur concurrent, mais comme quelqu'un qui peut vous aider à complémenter votre valeur vis-à-vis de votre client. Donc il faut scanner l'ensemble de votre environnement, l'ensemble de vos concurrents et vous demander qui sont mes complémentaires, avec qui je peux créer de la valeur pour le client, qui sont mes substituts et eux, ils créent une valeur qui est en concurrence avec la mienne. Donc il s'agit d'un changement de vocabulaire et d'un changement de façon de penser. L'ennemi n'est plus à abattre, l'ennemi c'est quelqu'un avec qui je peux potentiellement créer une valeur supplémentaire. Dans l'approche économique traditionnelle, on a tendance à opposer la compétition et la coopération sur un continuum en disant que plus on coopère, moins on s'affronte, ou plus on s'affronte, moins on coopère. Donc on est soit ami, soit ennemi. Et en fait, ce que nous dit la théorie de la compétition, c'est que la propension à coopérer ou la propension à s'affronter, ce sont non pas deux opposés sur un continuum, mais deux coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée. Et à partir de là, vous pouvez choisir d'être plus ou moins agressif et choisir d'être plus ou moins coopératif. Comme vous pouvez le voir sur le diagramme, ça donne la possibilité, ça donne quatre choix en fait, quatre possibilités pour une entreprise. Elle peut choisir d'essayer d'éviter l'affrontement et d'éviter la coopération dans des stratégies qu'on peut appeler de niche ou de coexistence. Des positions qui sont quand même de plus en plus difficiles à tenir. D'autres entreprises peuvent choisir des stratégies le plus agressives possible tout en minimisant la coopération. C'est une stratégie qu'on appelle hyper compétitive ou dans l'hyper compétition. D'autres entreprises vont essayer de minimiser l'affrontement et aller vers des stratégies plutôt coopératives. Et enfin, les stratégies compétitives, ben c'est de la forte coopération et de la forte compétition. Donc l'intérêt de la compétition,
c'est de considérer qu'on peut avoir à la fois les avantages de la compétition et les avantages de la coopération. Va y avoir de la stimulation, va y avoir de l'incitation à innover, de l'incitation à baisser les prix, de l'incitation à trouver des nouveaux processus de production, et il va y avoir des ressources quasiment gratuites qui vont permettre de réaliser ces innovations de produits ou ces innovations de procédés. Et donc, a priori, la compétition, c'est une meilleure stratégie que la compétition pure ou que la coopération. Pourquoi se situer dans une perspective compétitive et pas agressive pure? La stratégie agressive pure a ses défenseurs. On la retrouve notamment derrière la doctrine de la guerre économique ou derrière la doctrine de l'hyper-compétition dans laquelle un bon concurrent est un concurrent mort. Le but de la compétition économique, c'est de tuer l'adversaire pour prendre ses parts de marché. L'avantage de ce type de stratégie, c'est quoi? Ça va stimuler l'entreprise, ça va stimuler les équipes, ça va vous permettre de capter les clients et les revenus de vos concurrents. Ça va vous permettre d'étendre votre sphère d'influence à plusieurs marchés. En revanche, ça peut vous poser un certain nombre de problèmes que vous n'envisagez pas forcément quand vous adoptez ce type de stratégie. Ça peut vous enfermer dans des postures très très paranoïaques. Ça peut, de ce fait, dégrader l'ensemble de la rentabilité de l'industrie à cause de guerres de prix qui peuvent être ruineuses pour tout le monde. Et surtout, ça vous amène à oublier les stratégies coopératives, ce qui pourrait nous amener du coup à envisager la stratégie coopérative pure, c'est-à-dire minimisons l'affrontement, on n'a pas de concurrents, on a des collègues, on a des confrères avec qui on travaille et on s'entend bien. L'avantage, c'est l'accès à des ressources gratuites, quasi gratuites, l'accès à des technologies, l'accès à des compétences, les effets d'échelle, toutes les vertus donc de la coopération économique. Mais la coopération pure, qu'on peut retrouver par exemple dans l'open source, a aussi ses limites. Pourquoi? Parce que vous allez perdre en flexibilité individuelle. Parce que dans un collectif, c'est difficile de gagner plus qu'un autre et de se mettre en avant. Et finalement, dans un collectif où il n'y a pas d'incitation individuelle, il y a un manque de stimulation. Donc le risque de la stratégie de coopérative pure, c'est d'avoir une perte de compétitivité globale. Donc l'idée, c'est pour dépasser les limites de ces deux stratégies, de les combiner. Et de considérer que mon principal concurrent est en même temps mon meilleur partenaire. Ou que mon meilleur partenaire est en même temps mon principal concurrent. Et donc on combine les avantages de la compétition et de la coopération en évitant les limites de chacune de ces stratégies.